dans le Jardin des Roses, vous me suivez. L'association Parcs et Jardins et Paysages de Loire-Atlantique organise tous les ans des journées de jardins portes ouvertes, le vendredi, le samedi et le dimanche. Il y a 3 ans, j'ai reçu un coup de téléphone d'un monsieur. Ils ont visité et ils m'ont demandé à la fin de la visite si j'étais d'accord pour ouvrir le jardin tous les ans. Et j'ai dit oui, pourquoi pas. Ça demande simplement un peu de travail. Ce sera simplement dimanche matin à partir de 9h. Et il y a 2 visites accompagnées organisées à 11h et à 16h. On distribue aux visiteurs un petit fascicule comprenant toutes les plantes du jardin. Nous sommes ici depuis 1975. On a planté le jardin en 1976, année de la sécheresse. Tout a pris grâce à notre arrosage avec l'eau du puits. Et depuis, on plante régulièrement, tous les ans, un petit peu. Le jardin, c'est un ancien pré à vaches où il n'y avait strictement rien. Nous avons tout planté et tout pousse remarquablement. Parce que l'eau n'est pas loin, la nappe phréatique est là, l'herbe aussi, et tout pousse. Je suis passionnée de fleurs toute l'année, et autant que possible parfumées. J'ai 450 pieds de roses, mais il y en a beaucoup de mêmes variétés, plus les plantes vivaces. Grand-père était jardinier dans l'âme, professeur de dessin à la retraite, et grand-mère adorait les fleurs, donc il y en avait partout, et ce défaut m'a suivi jusqu'à maintenant. Moi, je suis ravie de montrer le jardin et d'avoir surtout affaire à des passionnés aussi fadins que moi. C'est le paradis.